C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Uni sur BX1. Bonsoir à la team Rapology, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Vous êtes dans votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1 et comme tous les soirs, je suis en compagnie de mon acolyte de tous les soirs, a.k.a. l'homme qui ralasse, j'ai nommé Mr. BMP. Yes, ma Kuni, comment tu vas Kuni? Ça va toi? Je vais bien et toi? Ça va, merci, ça va. Prêt à affronter cette émission? Ah, je suis prêt comme d'habitude. Eh bien écoute, j'espère que tu es prêt parce qu'on a pas mal d'invités ce soir et ça va être une émission riche et dense en contenu. Ah, j'ai hâte alors, franchement j'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé aujourd'hui. J'espère que chez vous ça se passe pour le mieux. Je rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, X. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On prend vos commentaires, vos réactions, si vous avez un coup de gueule, un coup de cœur à passer ou tout simplement des questions à poser à nos invités. Ça se passe sur WhatsApp, je rappelle, 0460 26 20 20. Aujourd'hui, pour le programme du soir, nous aurons deux invités de prestige. On recevra Laetitia qui nous vient de Playwright et qui va nous expliquer déjà ce qu'est Playwright et puis comment est-ce que ça peut être utile pour les artistes. On parlera de tout ça avec elle, ça sera dans quelques instants. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons Lydia Moutier-Bellé qui est l'échevine à l'égalité des chances, au logement et à la gestion du patrimoine de la ville de Bruxelles. Voilà, elle sera avec nous en deuxième partie d'émission. On parlera de son parcours inspirant et aussi de ce qu'elle met en place pour les artistes. Voilà le programme de la soirée. Donc préparez vos questions, hein. Envoyez-nous tout ça sur WhatsApp 0460 26 20 20. Et avant de démarrer cette émission, je vous propose de découvrir le tout dernier clip. C'est un featuring avec notre Shy National qu'on aime beaucoup, avec Niska. Le morceau est là. Je rappelle que si vous voulez voir le clip, vous pouvez vous connecter sur bx1.be rubrique radio ou tout simplement juste monter le volume et profiter de ce morceau. Ça vient de sortir, c'est tout frais et c'est dans Rapology. C'est parti. On vient de s'écouter Sans Cœur, c'est le tout dernier featuring entre Shy et Niska. On a profité d'un clip sexy chocolat que je vous invite à aller regarder. Il est disponible déjà sur toutes les plateformes, faites-vous plaisir. Et c'est une découverte dans Rapology, nous sommes contents de vous la présenter ce soir. Alors maintenant, il est temps de passer à notre première invitée du soir. Elle s'appelle Laetitia et elle vient nous parler de Playwright. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que la journée était bonne? Elle était longue, mais je suis très très contente d'être ici. Mais on est content de te recevoir, on est surtout content de tout ce que tu vas nous apporter, parce que comme tu le sais, il y a pas mal d'artistes qui nous écoutent, de jeunes artistes aussi qui sont en train de débuter et qui ne connaissent pas toujours ce qu'est Playwright, et ça va être le thème du soir. Alors déjà peut-être en 2-3 mots, est-ce que tu pourrais te présenter et parler aussi de ton poste, de ce que tu fais chez Playwright? Oui, bien sûr. Moi je suis Laetitia, je travaille chez Playwright depuis 17 ans maintenant, entre temps, 17-18 ans. Ça fait pas mal d'années oui, quand même. Je suis une ancienne de Playwright. Et ce que moi je m'occupe du département membre et international, donc je supervise les gestionnaires de dossiers auprès de Playwright. Donc chaque artiste a un gestionnaire de dossiers chez Playwright et on fait le suivi des dossiers, inscriptions, répertoires et autres. En fait, le dossier d'A à Z, suivi. C'est tout un programme. National et international. Un programme. Alors, Laetitia, déjà, on va peut-être commencer par expliquer ce qu'est Playwright. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas encore Playwright et je l'ai constaté l'autre fois en parlant avec des artistes et je lui dis « Est-ce que tu connais Playwright ?» Elle dit « Non, c'est quoi ?» Je dis « Ah, je pense qu'on a besoin de recevoir Playwright dans Rapology pour parler de tout ça. » Alors, dis-nous déjà ce qu'est Playwright. Donc Playwright, c'est la société gestion collective pour les droits voisins pour les artistes interprètes en Belgique. Donc en gros, c'est une société de gestion collective. Comment expliquer ça sans que ça devienne trop long? C'est en gros, on existe
On existe depuis 1974. Mm-hmm. On a été créé par les musiciens parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore droit voisin pour les artistes interprètes, mais il y avait déjà les droits d'auteur. Mm-hmm. Donc les auteurs touchaient déjà des droits à rémunération si leurs œuvres sont exploitées. Et donc, en 94, il y a eu le cadre juridique qui en Belgique qui nous donne la possibilité de collecter des droits voisins. Et là, ça fait depuis 2013 qu'on a changé de nom, qu'on a reformé la société et qu'on est à table pour discuter de tout ça. Et donc, il y a une phrase, je pense, qui résume bien ce que vous êtes, c'est « par les artistes, pour les artistes ». Tout à fait. Et donc, comme tu nous l'as expliqué, ça a été créé par les artistes. Oui. Ce sont des musiciens qui ont décidé de s'associer pour essayer de revendiquer leurs droits. Tu as parlé de droits voisins et de droits d'auteur, et je pense que c'est important de bien dissocier les deux et d'expliquer ce que sont les droits voisins et ce que sont les droits d'auteur. Oui. Donc moi je ne suis pas expert en droit d'auteur, mais je peux vous expliquer la différence. Donc les droits d'auteur, ce sont en fait tous les droits qui sont liés à la création de l'œuvre. Donc pour créer une œuvre, il faut que quelqu'un écrit la chanson, il faut qu'il y ait aussi un arrangeur. Donc c'est, dans le processus de la création, les gens peuvent toucher des droits d'auteur. Donc ça concerne la SABAM principalement. Ça concerne la SABAM, mais il y a aussi d'autres sociétés de gestion collective que la SABAM, puisqu'il y a aussi des auteurs de films, des auteurs, des journalistes qui sont aussi auteurs, par exemple. Il y a la société de gestion collective pour les journalistes à ce moment-là. Et les droits voisins, ce sont en fait des droits à rémunération qui proviennent aux artistes, mais aussi aux producteurs financiers. Et voilà, ce sont des droits à rémunération. Alors, ces droits, on les perçoit, donc en gros, je me mets un peu dans la peau d'un artiste. Donc en gros, c'est, imaginons, je suis un artiste qui n'écrit pas ses chansons. Oui. Donc du coup, il y a des gens qui écrivent pour moi, eux, ils vont percevoir leurs droits d'auteur. Moi, je vais interpréter cette chanson. Tout à fait. Et donc là, moi, ce que je vais toucher, ça va être les droits voisins. C'est ce que tu nous expliquais, oui, c'est ça? Ce sont les droits voisins. Après, les droits voisins... Ah, t'es une bonne élève du tout, Cunia. J'essaye. Les droits voisins, c'est un gros pot où il y a plein de droits différents. En gros, souvent, les artistes vont céder leurs droits voisins. C'est en fait les droits d'exploitation au producteur pour que le producteur puisse faire son taf d'exploitation et voir que l'œuvre soit diffusée et exploitée. Mais en fait... Tu parles de producteur. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des éditeurs de faire en sorte que ce soit exploité et diffusé aussi? Oui, bien sûr. Et puis après, l'enregistrement, la musique a une vie, elle continue à vivre, elle va être utilisée dans une émission de radio, elle va être utilisée dans une émission de pub, elle va être utilisée dans les salles d'attente et tout ça. Et là, on intervient. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible que chaque artiste irait négocier avec les radios. Est-ce que, par exemple, RTBF, est-ce qu'on peut utiliser votre chanson? C'est impossible de faire ça chez chaque artiste. Et c'est pour ça qu'il y a une gestion collective des droits de voisins pour les artistes interprètes. Et c'est nous qui allons, en fait, négocier, si tu veux, avec les radios pour avoir une rémunération équitable auprès des artistes. Alors, comment est-ce que ça se passe pour qu'un artiste puisse bénéficier justement de ses droits voisins? Comment est-ce que l'adhésion à Playwright se passe? Donc, oui. Il faut s'inscrire dans une société de gestion pour toucher ces droits à rémunération qui viennent via la collectivité. Il y a deux conditions, c'est être artiste-interprète et avoir fait des enregistrements. Et comment il faut faire ça? C'est s'inscrire auprès de Playwright et ça se fait très facilement en ligne. Tu t'inscris, tu nous signes ton document et tu nous le renvoies et d'ici deux semaines après, tu es membre de Playwright. Ah donc c'est très simple en fait. C'est assez simple, on s'en rend pas compte. Ouais. Alors tout à l'heure, on parlait aussi, et ça c'était en off, du fameux numéro ISRC, cette carte d'identité. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le numéro ISRC et en quoi il est important et utile? Je t'avoue que moi, j'essaie d'expliquer aux artistes en bien que mal, les gars, envoyez-moi votre numéro ISRC avec vos titres pour qu'on puisse les passer en radio. Et c'est vrai que les artistes ont souvent du mal à l'envoyer, peut-être parce qu'ils pensent que c'est pas si important que ça.
Et donc c'est aujourd'hui important d'expliquer l'importance justement du... Oui, non, c'est très important que quand un artiste va exploiter sa musique, qui en fait tout est déjà mis en place pour que après, on puisse reconnaître que c'est bien sa musique. Mmh. Et ça se fait via le code ISRC, désolé. Il n'est pas facile à dire, non, hein, ISRC. Pas du tout. Souvent, on dit souvent que c'est un peu la carte d'identité du morceau, voilà, si je me trompe. Tout à fait. Tu vas voir de quel pays ça provient, puis le numéro du producteur, et puis après, c'est à toi de donner les numéros par track et track. Et, ouais. Mais c'est vraiment un outil important d'avoir ça déjà en règle avant que tu exploites tes œuvres. Parce que ça facilite aussi, en fait... Le traquage. Votre travail. Le suivi, quoi. Le matching, tout à fait. Alors, quel point on va aborder maintenant? On va peut-être parler des rémunérations numériques. Okay. Parce que c'est vrai que là, on parle de radio. Nous, ici, on est sur une radio hip-hop, on parle de rap, on parle d'afro. Ce sont des musiques qui ne sont pas toujours diffusées en radio, qui vont chercher d'autres moyens de se rémunérer. Oui. Et notamment, comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous aussi, vous mettez des choses en place pour que cette rémunération numérique, les droits voisins numériques puissent aussi être générés? Qu'est-ce que tu entends d'avoir quand tu dis droits voisins numériques? Mais je parle par exemple de toutes les plateformes. Je parle de streaming, Spotify, okay. Je parle de Apple Music. Donc on parle Deezer, du streaming, c'est ça quand tu dis numérique? Streaming, okay. Exactement. Oui, donc pourquoi Playwright existe, c'est parce que l'artiste individuellement, il a une position moins forte qu'un producteur ou que les gros Spotify et tout ça. Et c'est pour ça que les artistes doivent se rassembler afin qu'on puisse faire une négociation. Dans le passé, il y avait plus... Allez, on vendait des CD, les gens touchaient de la rémunération. Donc, la rémunération équitable. Donc, nous, on perçoit la rémunération équitable. La rémunération équitable, c'est la musique qui est diffusée sur la radio. Les radios doivent payer la rémunération mm-hmm. équitable. Les lieux publics doivent payer la rémunération équitable. Donc, chaque utilisateur qui utilise la musique et qui gagne de l'argent en diffusant de la musique doit payer une rémunération équitable. Puis il y a la copie privée. La copie privée, c'est aussi une deuxième perception qu'on fait. Ce sont tout ce que tu pouvais copier en privé. Par exemple, dans le passé, tu pouvais acheter ton CD, tu pouvais le copier, le graver, ouais. Le donner à ton frère dans le cercle familial. C'est cadré juridiquement. Mm-hmm. Il y a des lois qui existent là-dessus. Nous, on se base sur ces lois-là. Et oui, avec le temps, il y a de moins en moins d'achats de CD et il y a eu de plus en plus de l'Internet qui est arrivé, oui. Le streaming et tout ça. Et là, on voyait que les artistes touchaient moins de droits à rémunération et c'est pour cela que Playwright existe aussi, en fait, et c'est pour ça que c'est aussi important de s'inscrire. Si vous êtes artiste-interprète, vous avez des enregistrements, de s'inscrire chez Playwright. Puisque on a obtenu un cadre juridique en Belgique, donc on est le premier pays en Europe, même je pense dans le monde entier, où il y a un cadre juridique où les artistes interprètes va toucher des droits d'interprète sur toutes les plateformes. Wow. Et donc vous êtes vraiment battu, donc clairement, oui. on voit aussi, parce que c'est important de le dire, on se rend pas compte aussi, parce que il faut insister dessus, Playwright, au-delà d'être là à aller chercher, vous essayez aussi de faire du lobbying sur les gouvernements pour mettre en place des droits pour les artistes, des lois qui vont être bénéficiables aux artistes. Et donc ça, je pense que ça mérite quand même des applaudissements. Quand même. Bravo, Kimi, en effet. On n'a pas de public, mais on a des boutons magiques. En effet, tu sais, Kimi, enfin, je sais pas, là, j'ai une tonne de questions qui arrivent. Bon, peut-être que tu me diras, c'est après pour les questions. Je vais patienter un peu. Tu vas patienter encore un petit peu. Les gars, continuez à envoyer vos messages. Continuez à envoyer vos questions, ne vous inquiétez pas. On répondra à toutes vos questions, ça sera dans quelques instants. Et n'hésitez pas, vous pouvez aussi poser vos questions via notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20, ou sur notre page Instagram, où on vous a mis en story une petite boîte à questions. Donc envoyez un maximum de questions. Elle est là ce soir, on va en profiter de poser toutes les questions. Alors, on parlait justement de ces droits numériques que vous êtes en train de mettre en cadre. Donc pour l'instant, les droits d'auteur n'ont pas encore de rémunération
Non, pas les droits d'auteur, les droits voisins, pardon. Je me trompe. Les droits voisins ne sont pas encore rémunérés sur le digital. Oui, tout à fait. Non. Sauf si tu es un gros artiste et que tu as un super bon contrat, là, tu toucheras probablement quelques droits, mais ce sont alors à ce moment-là des droits qui reviennent aux artistes principaux et pas, par exemple, chaque musicien de session, un guitariste qui vient jouer sur une chanson et après cette chanson est exploitée sur Spotify, il ne touche rien du tout. Ah, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes encore en train de travailler pour que ça change. Oui, donc le cadre juridique est là et donc on est occupé à négocier avec Netflix et Spotify et tout ça. Mais ça va durer un petit moment. Ça va prendre un petit moment, mais c'est important de voir que vous êtes en train de mettre les choses en place. Et que les choses pourraient bouger d'ici quelques années. Oui, donc c'est vraiment important de s'inscrire et d'être déjà inscrit avant qu'on va commencer à récolter des droits, puisque ça nous donne une représentativité auprès de Netflix, auprès de Spotify et tout ça. Et entre-temps, ton dossier est déjà en ordre. Dès qu'il y a l'argent qui rentre, hop, tu vas l'avoir. Ça va l'avoir. Et donc, ça, c'est important de le dire aussi, c'est qu'en étant inscrit, non seulement on récupère des droits, mais on vous donne aussi plus de poids pour aller négocier. Ça, c'est aussi important de le dire. Oui, vous nous donnez une représentativité auprès du monde politique, auprès des... Oui, tout à fait. Et donc ça c'est important, donc imaginons s'il n'y a que 5 artistes inscrits, ça je vous donne un schéma simple, s'il n'y a que 5 artistes inscrits, ils vont aller négocier en disant on représente 5 artistes, tandis que s'il y a 100 000 artistes inscrits, ils peuvent aller négocier en disant on représente 100 000 artistes, et là forcément ça fait directement beaucoup plus de poids et ça permet aussi d'aller chercher de meilleurs droits pour les artistes, donc prenez vraiment le temps d'aller vous inscrire, et surtout c'est très facile et je pense que ça ne demande rien à l'artiste s'inscrire. Non. L'inscription est totalement gratuite. L'inscription est totalement gratuite. Ok. Alors on a encore plein de choses à discuter, mais je vois que l'heure avance, donc on va se faire une très courte page de pub, mais on revient juste après. Continuez à envoyer vos questions. Laetitia est là pour y répondre. Playwright est un organisme, comme on le disait, qui met en place des actions pour subvenir aux droits des artistes. Donc on va continuer à discuter avec elle. Ça sera juste après la pub. Et yo mes rapologistes, vous êtes toujours dans votre émission préférée sur les ondes de BX1 et je suis toujours en compagnie de mon acolyte de tous les stars, Mr. BMP. Coucou Makuni, ça va ? Très très bien, et on est toujours en compagnie aussi de notre invitée du soir, elle s'appelle Laetitia, elle vient nous parler de Playwright où elle travaille depuis 17 ans maintenant, oui. Fait partie des murs. Hein. Alors, juste avant la pause, on a expliqué ce qu'était Playwright, comment y adhérer. On a aussi parlé de la différence entre les droits voisins et les droits d'auteur. Et là, on va continuer à discuter avec Laetitia. Je rappelle que si vous avez manqué la première partie, on vous remettra tout sur les plateformes de streaming, justement. On en parlait aussi juste avant la pub. On vous mettra tout ça en podcast. Comme ça, vous pourrez aller réécouter. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, ça se passe soit sur notre page Instagram ou alors sur notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Alors Laetitia, en off, pendant la pub, on était en train de discuter justement des artistes qui, eux, misent tout sur les streams en se disant « Ouais, je vais faire un million de streams, etc. » Mais on se disait qu'en fait, les streams, c'est pas ça qui remplit le frigo des artistes. Et ça, c'est important de le dire. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce point-là, du fait que c'est pas là où les artistes gagnent? Oui, non, c'est vraiment pas là pour l'instant qui gagne. J'espère franchement que dans le futur, oui, une fois qu'on a réussi à négocier des tarifs avec Netflix et Spotify et tout ça. Après, ce qui rapporte aujourd'hui, c'est les lives. Mais par contre, Playwright s'occupe uniquement d'exploitation des enregistrements. Donc nous, là où la SABAM va aussi verser des droits d'auteur à quelqu'un qui a fait du live, pur live, Playwright n'intervient pas. Playwright, ce sont uniquement quand il y a des enregistrements qui sont exploités. Et donc, ça va être tout ce qui est radio, salle d'attente. Quel autre exemple on peut donner, par exemple ? Smartphone.
smartphone. Quand vous achetez un smartphone, il y a une petite redevance qui vient auprès des... Du prix de ce qu'on achète dans notre smartphone qui part chez Playwright pour les droits des artistes. Oui, tout à fait. Et ça, on ne le savait pas. Voilà. Alors, j'avais encore une petite question. C'était... par rapport aux aides que vous mettez en place pour les artistes, je pense que ça aussi c'est important. Donc il y a d'une part les droits que vous allez chercher pour les artistes, mais il y a aussi des bourses dont les artistes peuvent bénéficier. Est-ce qu'on peut en parler aussi? Oui, donc il y a des appels à projets et des appels à bourses qu'on a lancé, qui est récemment, depuis un an, je pense. Donc il y a la bourse pour la réalisation d'un clip vidéo qu'on fait avec la SABAM, en collaboration avec la SABAM. Quelles sont les conditions pour un artiste pour bénéficier de cette bourse? Il faut être inscrit auprès de Playwright. Comment ça, c'est la condition numéro 1. Et je pense aussi à la SABAM, puisqu'on fait ça en partenariat. Je pense aussi que si vous faites une bourse pour ça, il y a quelques bourses qui tombent à l'eau côté SABAM. Mais les conditions, c'est être membre de Playwright, avoir quand même un projet bien en place. Donc, c'est-à-dire que si vous faites votre demande, il faut que tout soit bien défini, qu'il y ait un plan de promotion, qu'on voit qu'il y a faut vraiment... Faut que le projet soit sérieux. Professionnel, qu'il soit professionnel. Qu'il y ait une professionnalisation. Et après, il y a aussi... il faut que vous décriviez le mixage. Où on va intervenir, on va intervenir dans 50% des frais encourus pour un montant maximum de 1 500 € hors TVA pour dans la production, la post-production, l'enregistrement même, le mixage, le montage et la rémunération correcte envers les musiciens. Ah ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de le dire et de le souligner parce que beaucoup d'artistes ont des projets très sérieux, travaillent dessus et mettent beaucoup de frais dans la création des morceaux parce qu'il faut savoir qu'il faut déjà payer le compo, puis il faut payer le studio, enfin il y a déjà pas mal de frais. Voilà. Et puis arrivé au moment du clip, les poches sont vides et on a envie de faire un clip. Et là, vous pouvez intervenir. Oui, sauf qu'il faut vraiment... Allez, si vous voulez faire appel à ce projet-là, à cette bourse-là, il faut que vous faites votre demande un mois, je pense, avant que vous commencez vraiment au taf. Il ne faut pas faire la demande en dernière minute. Parce qu'on veut vraiment suivre ce processus-là, puisque le but aussi, c'est qu'il y a des artistes qui deviennent membres de Playwright et qu'on promouvoir les enregistrements des artistes belges pour que ça soit plus exploité, on a investi en fait dans la culture belge grâce à ce chemin-là. Voilà. Mais ça, c'est intéressant de le dire, c'est que au-delà du travail que vous faites déjà, ce que vous faites aussi, c'est d'aider à promouvoir aussi les artistes pour qu'ils soient beaucoup plus diffusés. Oui. Et donc... grâce aux bourses de clips vidéo, à la réalisation des clips vidéo, mais il y a aussi une bourse pour la session d'un live, il y a aussi une bourse pour un court-métrage. Mais c'est génial. Mais c'est vrai que là, on parlait de musique, mais Playwright, ça concerne les acteurs, les musiciens, mais aussi les danseurs. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre les danseurs peuvent percevoir des droits voisins? Les danseurs, en fait, tous les danseurs qui passent à la télé, ils doivent s'inscrire. Ah, et ça, c'est important de le dire. Parce qu'ils font une prestation artistique. Donc quand est-ce que tu vas toucher à Playwright? C'est si tu as fait une prestation artistique. Ça, c'est défini un peu dans la Convention de Rome, si tu veux. Donc, une prestation artistique, c'est je déclame, j'interprète. Donc, par exemple, une présentation... Allez, par exemple, présentateur... Moi, je n'ai pas le droit. Désolée. J'ai compris que moi, je n'irai pas chercher des droits chez Playwright. Mais donc oui, les danseurs, c'est une interprétation que tu fais et si tu as participé, moi je dis maintenant, The Voice Belgique en tant que danseur, inscris-toi, parce que tu vas toucher les droits là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Est-ce que beaucoup de danseurs qui font ça sont inscrits ou justement, c'est important de le dire ici. Sachez que si vous êtes danseur et que, puisqu'on a reçu aussi des danseurs ici qui ont participé à l'émission de Dancer par exemple, on a reçu des danseurs aussi qui ont participé à The Voice et d'autres émissions télé et on ne sait pas toujours en fait qu'il y a des droits
à aller récupérer là-dessus. Ouais, des droits à rémunération via la collectivité. En gros, c'est ça, Playwright. Inscrivez-vous chez Playwright, je pense qu'on ne le dira jamais assez avant de passer aux questions des auditeurs. Je sais que vous soutenez aussi pas mal de projets ici en Belgique. Je pense à Urban 32, à Péroït, avec qui on travaille aussi. Salut. Ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous intervenez avec ce genre de Bah, je pense qu'à Péroït, on les soutient depuis 2019. Donc, on était là au début. Pourquoi on les soutient ? C'est puisque eux, ils donnent vraiment un cadre accompagnement aux artistes. Et c'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait une professionnalisation du métier. Mm-hmm. Hein, être artiste, c'est un métier. C'est important de le dire. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment important de le rappeler qu'être artiste aujourd'hui, c'est un métier. Il faut aussi être entrepreneur un peu pour être artiste. Ouais. C'est vrai. C'est ça, et c'est important de rappeler tout ça. Et donc vous allez vraiment soutenir ceux qui mettent en place des choses plus concrètes pour professionnaliser les artistes. Fait. Là, vous aussi, donc c'est bien parce que là on parle aux artistes, mais on parle aussi à ceux aux organismes qui mettent des choses en place. Et là, vous pouvez aussi intervenir dans ce cadre-là. On soutient par exemple Fakir, qui est un groupement d'intérêt de musiciens en Belgique. L'Union des artistes, c'est les acteurs qui sont un groupement d'intérêt des acteurs en Belgique. Et c'est vrai que pour les acteurs. Important aussi de vous inscrire chez Playwright parce que encore une chose que j'apprends aujourd'hui, c'est qu'un acteur peut toucher son cachet, qui peut être parfois bien, parfois pas bien, parce qu'on sait que le cinéma, il y a des bons et des mauvais cachets. Et derrière, pour l'interprétation, ils peuvent aussi être inscrits chez Playwright et récupérer des droits. Oui, si le film est diffusé à la télé et bientôt sur Netflix et tout ça, il touchera une droit à rémunération pour ça. Puisqu'il y a des parties qui gagnent de l'argent grâce à ce répertoire musical audiovisuel. Allez, tu vois, Spotify, il a grandi. Comment il a grandi? Incroyable. En utilisant la musique. Complètement. Et je ne sais pas combien il touche. Ah ouais, et donc, ce serait nous, on veut juste une petite partie pour distribuer aux artistes, pour que eux puissent vivre. D'ailleurs, on vous remercie pour ce que vous mettez en place avec Apéroïd et tous les autres organismes qui permettent aujourd'hui de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Parce qu'on voit quand même que des organismes comme qu'il l'a dit Apéroïd, ou je pense encore à Nel et d'autres organismes qui font des choses dans la ville et qui donnent clairement l'opportunité à des jeunes artistes aujourd'hui de pouvoir se développer. Et je pense que votre soutien est très important pour ce type d'organisme-là. Donc, ouais. Et donc franchement, encore une fois, applaudissements pour le travail que vous mettez en place. Et là, juste après cette question, on passe aux questions des auditeurs. Promis, Barclay, parce que je sais que tu as beaucoup de questions qui tombent. Tout à l'heure, tu m'expliquais aussi en off que clairement, l'inscription à Playwright est totalement gratuite, mais les artistes peuvent être beaucoup plus impliqués dans Playwright, oui, en faisant partie aussi du comité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Oui, parce que donc Playwright, c'est une société de gestion collective qui a été créée par des artistes. Et donc, soit tu t'inscris en tant que membre, c'est gratuit, ou soit tu dis... Je m'inscris aussi chez Playwright, mais j'ai quand même envie de participer à cette collectivité. Là, tu peux payer un part social et tu deviens associé. Et tu seras aussi alors invité aux assemblées générales qui se passent chaque année. Tu pourras, par exemple... qu'est-ce qui est discuté aux assemblées générales? Ce sont je vais oublier. T'inquiète, détends-toi, ça va revenir. Mais ils peuvent participer à la prise de décision. Et en plus, la part sociale, elle n'est pas très chère. Non. C'est aussi important, c'est 49 euros. 49 et pour 49 euros payer une fois. Une fois, et même si tu dis, en fait, non, je veux redevenir simple membre, on te rembourse. Wow. Ok, et donc c'est pas contraignant, c'est pas très cher. Et là aussi, on peut venir... Alors moi, j'avais une petite question juste pour moi. Si je paye mes 49 euros, est-ce que je peux me battre pour que nous, les présentateurs, on ait aussi des droits de... Là, c'est une question. Tu devrais peut-être créer une société de gestion collective. Ouh, là, c'est du travail. Hein.
quand même, parce qu'il y a quand même des années que vous avez derrière vous, beaucoup de travail aussi, oui. Ce que vous faites, oui. Et franchement, c'est important. Alors là, on va passer aux questions de nos auditeurs, parce que je suis sûre qu'il y a pas mal de questions, et là, je me tourne vers toi, Barclay, qui est en contact direct avec nos auditeurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions en effet, qui sont tombées ? Alors, on a reçu pas mal de questions, et puis donc, déjà, pour répondre à la première question, malheureusement, là, on n'aura pas le temps d'appeler, donc on ne recevra pas d'auditeurs comme on peut le faire habituellement, donc désolé pour ceux qui nous ont demandé à ce qu'on puisse les appeler, mais vous pouvez continuer à nous écrire, Cuny vous redonnera le numéro. Alors, la première question, c'est, alors là, c'est vrai que c'est plus... Voilà, les gens veulent des chiffres et veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher, notamment par rapport aux bourses qui ont été exposées. Oui, donc les bourses, c'est 1500... euros par clip, ça c'est pour les, oui. Les clips. 50% des frais encourus peuvent être payés, donc ça peut passer jusqu'à un montant de maximum de 1500 euros. ça c'est pour la réalisation du clip vidéo d'une session live. Puis il y a aussi le bourse pour un court métrage qui vient d'être lancé, je pense, il y a quelques mois. Ça c'est pour Karim, du coup. Karim, tu as la réponse à ta donc question. Ça peut aller jusqu'à 2500 euros. Non, 1500. Non, 1500, pardon. Et après, ça peut. Tu es artiste, c'est pour un groupe de musique, mais tu peux aussi faire. Tu fais une demande tous les deux ans. Mais tu peux aussi faire une demande pour une réalisation d'un clip où tu es participe dans un autre groupe. Okay. D'accord. Donc c'est accessible de cette manière-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Combien de fois est-ce qu'on peut solliciter les aides que Playwright propose sur les clips ? Une fois tous les deux ans. Ok, ça c'est important à savoir. Mais pour ce, je sais pas comment on va dire, pour cet artiste-là. Ouais, pour cet artiste-là. Une fois tous les deux ans. Tu joues dans un autre artiste et que là aussi vous voulez faire une demande, là c'est, okay. C'est possible. Est-ce que le producteur peut lui aussi faire la demande ou est-ce que ça doit être l'artiste lui-même ? Le producteur peut faire la demande, mais les artistes doivent être inscrits. Mmh. Ok, d'accord, c'est top. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Barclay ? L'autre question, c'est... Enfin, on a répondu à la question du prix. Ça, c'était important de savoir le prix. On nous a demandé sur les montants. Après, tout ce qui a pas mal sur l'inscription, Cuny a déjà répondu à la question. On peut voir encore une fois sur les appels, mais je pense qu'on a soirée les élections. Ouais, parce qu'après c'est des questions à répondre là tout de suite en fait. Oui, donc les questions les plus importantes, on y a répondu. Mais en tout cas, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Peut-être, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé ? Oui. C'est pas parce que vous êtes membre de Playwright que nous, on connaît sur quelle chanson vous avez participé. Donc, il faut aussi déclarer son répertoire. Mais par contre, c'est nous qui allons voir qu'est-ce qui est diffusé. Donc, le travail que nous, on va faire, c'est en fait, d'un côté, vous avez déclaré votre répertoire. De l'autre côté, on a une playlist de tout ce qui est diffusé en Belgique. Et le travail, ce sera qu'on match ces deux données-là pour qu'à la fin vous obteniez vos droits. Donc voilà, comme Laetitia l'a dit, important, s'inscrire national chez Playwright. National et international. Voilà, c'est important de le dire. Les réponses des questions que j'ai, par exemple, c'est comment on peut te contacter, Laetitia ? Je pense que vous la contactez à travers Playwright directement. C'est Playwright que vous devez contacter. Aujourd'hui, ça va être chaud. Mais comme Laetitia l'a dit, important de s'inscrire chez Playwright. Aussi, l'autre travail que les artistes auront à faire, c'est de déclarer... Ou les managers. Parce que souvent les artistes ne travaillent pas seuls. Donc si vous êtes manager d'artiste... Pensez à déclarer toutes les œuvres de vos artistes. Et puis derrière, Playwright s'occupera d'aller chercher tous les droits, que ce soit ici en Belgique ou à l'international. Donc vous voyez vraiment toute l'utilité. Comment on fait cette déclaration du coup justement ? Comment est-ce que les artistes peuvent éventuellement faire ces déclarations ? Donc, chaque membre auprès de Playwright a un gestionnaire de dossier qui s'occupe de son dossier de A à Z. Et il y a aussi un portail en ligne où vous pouvez facilement déclarer votre répertoire de plusieurs manières. Il y a même la playlist qu'on prend en compte qui est à disponibilité de vous et où vous pouvez aller voir est-ce que j'ai été diffusé, je déclare. C'est très facile en fait. Donc en gros, c'est juste qu'il faut le faire. Et sachez, aux amateurs et aux producteurs. Pour tous les artistes qui viendront dans Rapology, elle nous a donné
plein de petits fascicules ici qui expliquent un petit peu tout ça, et on donnera un petit fascicule à chaque artiste qui passera ici dans Rapology afin qu'il soit au courant des droits qu'il peut aller percevoir et des actions que vous mettez en place pour les artistes. Vraiment très important. Merci Laetitia d'être venue partager tout ça avec nous. Mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir répondu à nos questions, et je pense que ça nous a vraiment éclairé. Il y a plein de petits points qu'on pense connaître, et au final quand on discute avec vous, on se rend compte qu'il y a quand même plein de choses encore à découvrir. Les amis, si vous êtes artiste, que vous soyez danseur, musicien, acteur, sachez que Playwright se bat pour récupérer vos droits, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, c'est très simple, ça se fait en ligne, et je pense que on a fait le tour. Super. On a fait le tour. En tout cas, merci Laetitia, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Tu veux encore plus de Rapology ? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.